marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies, perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle à ces croquignoles. En voyant ces braves Pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ceux qui passent à sa portée. Il tombe, 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 et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur content de nions, ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons, ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas, leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas.